Salut, salut à tous. À tout le monde, salut Fred, salut Thomas, ça va bien Ouais. Eh ben super, eh bien bienvenue dans ce DLV, donc le dans le viseur les jeux du moment où c'est nous, vous commencez à avoir l'habitude quand c'est nous souvent que c'est que c'est pour des jeux enfants parce que bah c'est nous qui avons des enfants pour l'instant <laughs> euh, dans l'équipe. Ouais. Donc c'est un DLV un peu particulier parce que justement jeux pour enfants, on est à la veille euh, des résultats des sélectionnés pour l'ASDOR, donc il y a un gros euh, un gros suspense pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir. On va le voir, on a trois jeux qui à mon avis euh, s'imaginent comme des euh, comme ça, des prétendants. prétendants. On a une grosse année du jeu de société ouais. enfant. On a 10-15 jeux qui sont vraiment terribles, qui pourraient être nominables. Euh, là, on vous en a choisi trois, vous l'avez vu sur la vignette, des trucs qui sont vraiment sympas. On a aimé, on n'a pas aimé, on a des doutes ou pas. On va vous expliquer un petit peu tout ça à partir de nos ressentis. voilà. et comme ça, comme vous aurez la vidéo après les résultats, vous pourrez <laughs> savoir tout de suite si on avait dit n'importe quoi ou si on avait eu un petit peu de... de un faire. petit peu de nez. alors on va vous parler donc de trois jeux. il y aura mysterium kids, il y aura la planche des pirates et il y aura clé magique. on commence tout de suite par mysterium kids. kids. et c'est parti pour le premier de notre sélection mysterium kids. on part dans le château du capitaine Bou. c'est ça? On est encore chez Mysterium plus ou moins, ça on va en parler. Et est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu comment ça marche Bien sûr, donc Mysterium Kit, donc on reprend l'ADN de, de Mysterium, enfin un petit peu, puisqu'on va avoir des cartes sur lesquelles il y a des choses qui sont devinées, et il y a un joueur qui va plus ou moins incarner le fantôme, qui va devoir donner des indications aux autres pour retrouver la bonne carte de la manche. Et donc, comme dans Mysterium, on va utiliser pour faire deviner les cartes. Et eh ben non, pas d'autres cartes. On va utiliser un tambourin. En effet, c'est un jeu qui va se baser sur le son. Les cartes, elles vont toutes représenter des choses qui vont faire plus ou moins de bruit. Il y a un éléphant, il y a des abeilles, il y a un feu qui crépite, il y a du papier qu'on déchire. Et donc, on va devoir utiliser ce tambourin pour faire deviner la carte. Alors comment ça se passe C'est que eh ben le joueur qui joue le fantôme ce tour-ci, il pioche une petite carte qui lui donne le numéro de celle qu'il va devoir faire deviner. Les autres joueurs ferment les yeux. Il fait son bruit avec le tambourin. Les autres ouvrent les yeux. Ils se mettent d'accord. Ils trouvent, ils trouvent pas. Ils marquent plus ou moins de points à la fin de la partie. Si on a assez de points, on a gagné. Sinon, on n'a pas assez, on n'a pas suffisamment gagné. Mais franchement, le score, ça intéresse personne. L'important, c'est de passer un bon moment. Qu'est-ce que en as pensé, toi? Alors, je pense qu'on a eu de la même réflexion au tout le début. On s'est tous les deux dit, est-ce que ça va pas être un peu compliqué, cette histoire de son? Parce que euh, c'est pas évident. Euh, moi, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était d'essayer entre adultes. Alors, en effet, j'ai pris le jeu. On a joué à 5-6 adultes autour de la table. Et on s'est vraiment amusé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce leçon, on essaye de faire des choses. Il y a un petit challenge et qui est intéressant et qui monte petit à petit. Et après la partie, non seulement on s'est amusé, mais j'avais encore la question du, est-ce que un enfant de 5-6 ans va être hâte à le faire? Et donc, j'ai essayé tout de suite avec mon enfant de six de ans. Et ça s'est super bien passé. Et c'est là où c'est intéressant parce que je trouve que le dosage de la difficulté qui pouvait paraître trop difficile pour moi, finalement, il était très bien réglé parce que mon enfant, il y arrivait, mais pas à tous les coups. Et c'est ça qu'on cherche. C'est que des fois, il y arrive et des fois, il rame, il n'arrive pas à faire une bonne explication et du coup, on se trompe de carte. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifiquement rempli comme contrat. Ouais, ouais, alors moi aussi c'était une très bonne surprise. Alors pourtant, euh, en fait j'ai vu Mysterium, moi je suis fan de Mysterium vraiment, euh, j'adore ce jeu. Euh, j'ai vu Mysterium, je me suis dit, ben, on, on, on va jouer. Euh, c'était sur un salon, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, autant des fois les jeux on les voit un peu venir là pff, Je découvre, donc un salon, octogone, pour ceux qui connaissent, c'est pas le salon le plus silencieux du monde, il hein, y, a, y a une espèce de bruit de fond. On s'assoit, on me dit, ben, là va falloir faire du bruit. On fait, oula, avec, euh, avec le petit, je me suis dit, ben, là on est dans les pires conditions possibles pour essayer. Euh, on va voir et ça s'est super bien passé. Vraiment, euh, Arthur a voulu rejouer tout de suite, euh, pas de problème de ce côté-là. Euh, non, vraiment, c c le, le contrat était vraiment rempli. Alors que je m'attendais, encore une fois, pas du tout, euh, du tout à ça. C'est ça. Euh... C'est bluffant. Ouais. Euh, cette idée d'amener le son via le tambour est très originale et très pertinente. Mm -hmm. Et ce tambour. Alors, il marche à fond. Alors, de, la première chose qu'on se demande c'est est-ce qu'il va tenir le coup Parce mmh. qu'on dit ah, est-ce qu'il a l'air un peu fragile Tose pas taper tout finalement... c'est un de petit papier qui a dessus, ouais. je ne sais pas comment c'est fait, enfin on se dit non, mais là, ça, ça, euh, ça c'est C'est avec des enfants en plus. Donc euh <laughs> la durée de vie est à zéro. Et finalement, pour l'instant ça tient bien. <laughs> oui, tout à fait. On verra s'ils ont pas mal de problèmes de SAV ou pas, mais pour l'instant ça va tenir le coup. Ouais, ouais. Et, euh, et ce que finalement on découvre petit à petit, c'est les modularités de ce qu'on a avec ce tambourin parce qu'au ouais. début on dit on va taper. Mmh. Mais non, on peut pas, on n'a pas que à taper. Quand on a des un peu des, des un peu plus disquins, il va falloir qu'on invente des manières d'utiliser le autrement. On va pouvoir le frotter, le caresser, le gratouiller sur le côté. Tu caresses le tambour, toi. On caresse son tambour, je me, je me frotte le tambour. Bref, il y a plein de manières d'utiliser ce, ce tambourin et. Euh nous on y pense assez rapidement mm -hmm. l'enfant pas forcément mm -hmm. mais une fois qu'il a entendu un bruit bizarre que tu as généré avec le tambour il dit mais comment tu as fait et là tu l'expliques et découvre une autre manière d'utiliser le tambour qui va s'approprier petit à petit et ça je trouve que ça super cool ce, cette courbe d'apprentissage d'utilisation du tambour pour faire des bruits un petit peu inattendus ouais, ouais c'est sûr, euh, effectivement on se dit bah, on a vite fait le tour mais, mais non mais il y a plein de choses qui se passent avec ce tambour euh, alors on l'a dit, les enfants apprennent bon ça marche bien mais des fois ils n'y arrivent pas mais ils bloquent aussi, mm. c'est à dire que ça peut arriver euh, des moments parfois un peu long où en fait euh, le principe c'est vraiment la personne elle prend le tambourin elle dit bou quand elle enfin tout le monde ferme les yeux elle dit bou elle fait son bruit elle redit bou et c'est là où on sait qu'on peut ouvrir les yeux et des fois les enfants ils disent bou et ils se mettent à se réfléchir à ce moment-là <laughs> et là on peut rester un moment les yeux fermés à Attends attendre de voir bruit. ce qui se passe et c'est parfois un petit peu long mais bon ça marche euh, la même, même marche que le, le moment où ils font du bruit les enfants et, et particulièrement très très long parce oui. qu'ils ont ils ont vraiment l'intention qu'on comprenne bien et finalement ils vont faire répéter 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 alors que le bruit qu'ils essaient de faire n'a pas besoin d'être répété et on passe 30 secondes à écouter parce que l'enfant veut bien faire mmh. et finalement ça nous met dedans parce qu'on pense complètement autre chose. Voilà, mais c'est ça qui c'est ça qui est qui est marrant mais comme tu l'as dit il y a cette courbe de progression auquel le jeu a pensé Puisqu'il y a des, il y a un petit niveau de difficulté. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir avoir un niveau de difficulté où tu auras des fois deux bruits l'un après l'autre à faire à faire oui. deviner. Ça rajoute un petit effet de mémoire euh, qui est pas désagréable et qui est pas si évident que ça, même pour les adultes en fait. Et donc, ça, c'est euh, assez malin. Je, je trouve. Non mais non, j'ai bien aimé aussi d'avoir mis mes deux trucs d'un coup, ça t'évite d'être frustré en disant OK, j'en ai qu'un seul sur les cinq et alors qu'on va tout virer. Après il y a un petit côté on peut, on peut se poser la question de la jouabilité parce qu'en effet, il y a un deck d'une 90 cartes je veux dire, ouais. qui sont plutôt bien designées, hein. les bruits sont intéressants et quand tu les vois, tu ah, oh, je sais pas comment je vais faire parfois quand tu fais la pluie, mm -hmm. oh, est-ce que je vais gérer la pluie mm -hmm. Et euh, finalement en une partie, on en voit beaucoup parce qu'on va faire sept euh, manches un truc comme ça. Ouais, il y, 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 donc... y a beaucoup de cartes ouais, qui passent. Ça, vrai. Et du coup, à la fin de la partie, tu dis OK, bah, je viens de faire d'un tiers du paquet de... ça fait beaucoup. Mais finalement il y a qu'une carte a pas sur cinq. Ouais, de tous. Ouais, Donc, même ça. si on les a vus, on ne les a pas faites. Donc, ça laisse la possibilité. Mais au premier abord, on peut penser que le jeu va être vite épuisé sur ce côté-là. Et on va vite avoir besoin d'autres cartes. Mais il n'y a pas 50 000 bruits non plus possible. Mm -hmm. Donc, c'est un bon équilibre, peut-être, mm -hmm. entre la et l'originalité de chacune des cartes. Sachant que moi, alors, au fur et à mesure, cartes sur grandis, on enlève. Mais ça arrive régulièrement qu'ils disent Bah, ça, en fait, je pas à imaginer ce que c'est le bruit. D'accord. Typiquement, on n'a pas de cheminée à la maison. Ah, ok il n'imagine bah, pas trop ce que c'est quoi donc je sais que ça le, ça le ça bloque, bloque un peu euh, moi je trouve qu'on peut revenir aussi sur quelque chose qui est intéressant c'est sur les deux auteurs qui a derrière ce jeu là ah, euh, à savoir Yves Hirschfeld et euh, Antonin Bocara qui n'ont rien à voir avec les auteurs initiaux voilà, et mystérieux tout à fait euh, que moi j'attendais pas du tout sur des jeux pour enfants mais non euh, c'est un duo d'auteurs qui avait déjà fait euh, I'm I'm banana. A banana qui était une très bonne surprise au aussi complètement barré mais improbable et qui n'a rien à voir avec ce qu'il nous propose ici Ouais. et je, je suis très très euh, agréablement surpris de ce qu'ils viennent de faire quoi c'est vraiment, euh, bah, je me dis bah tiens euh, ouais, si vous continuez les gars je, je regarde, il y a un côté un peu euh, tous les deux ils amènent de l'originalité ils amènent un côté un peu barré est qui, qui est quand même vraiment, vraiment très sympathique c'est un duo improbable qui nous génère quelque chose qu'on n'avait pas vu venir et qui ont l'intelligence d'aller chercher quelque chose qu'on n'attendait pas chez Mysterium ah, mais le son, alors qu'on est habitué au jeu d'image vraiment chez béludes. et du coup on peut se poser la question légitimement est-ce que c'est encore Mysterium Ah bah ça c'est la vraie question. Euh, ça ça c'est vrai, la vraie question, et c'est vrai qu'au début, bah, voilà, j'ai adoré le jeu, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que c'est Mysterium Le côté fantôme on le garde, mais alors il est un il est, petit ouais. peu... Euh... La couche thématique, elle est oh c'est vraiment est on a vraiment tiré ça, ça par les cheveux tant qu'on a pu pour que, pour que ça marche. Bon, euh, est-ce que c'est grave J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est... Je me sens pas sur Mysterium, je me sens sur The Sandmaker euh, qui Un peu plus. Un, euh, un, mais, en fait, le, le sous-titre du jeu par pour lui-même, le, le trésor du Capitaine Boo, ça aurait pu suffire comme titre de jeu pour ce jeu, sans avoir ajouté Mysterium, même s'il y euh, a des, des cartes... Le côté fantôme. De... Il voilà, reconnaître des images et coopératif et tout ça, euh, mais le mot Mysterium, on est d'accord que c'est pour vendre, pour parler aux puces, pour mm -hmm. essayer de communiquer bien facilement sur ce jeu. Euh, il a une certaine pertinence, il n'est pas obligatoire et on aurait pu s'en passer. Ouais, en tant ça. que joueur, en tout cas, le jeu n'avait pas ça. besoin de ça pour être vraiment excellent. Ça. Moi, je, moi, je comprends complètement la logique, euh, la logique éditoriale. Effectivement, on, on crée des choses, mais c'est une démarche qui me, qui me pose un peu question. Je sais que, par exemple, ils ont fait sur Asmodée, ils ont fait le unlock là, avec les, euh, les thèmes de leurs autres jeux. Bah, justement, il y avait Mysterium, il y avait Catan. Et euh, je ne sais pas quoi penser de, de, de cette tentative d'étendre euh, ces espèces de marques à autre chose que le jeu original Je ne sais pas si, si ça prête vraiment bien à aucun moment je me dis tiens super les aventures du rail unlock waouh j'ai envie d'être dans cette univers là et finalement euh, voilà ouais. mais quelque part à la limite le jeu est très bien et, euh, et, et il fonctionne, il fonctionne vraiment très bien. Puisqu'on a parlé d'Asdor, moi, clairement, pour moi, c'est celui qui mérite cette année. C'est ça. Moi, pour moi, ça a été un coup de cœur cette année. C'est un jeu que je vois facilement à la sélection Asdor, euh, mais qui peut être puni à cause de son titre Mysterium. En ah, c'est encore une église de Mysterium. Ça peut, peut bloquer le jury ou autre. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un jeu qu'on voit clairement là-bas. Ah ouais, moi, je vois. Alors moi, j'espère même qu'il gagne. Ça, c'est vraiment été mon, mon, coup de cœur. En tout cas, nous, on le voit bien, l'Asdor. D'ici là, on aura sûrement tourné la vidéo de pronostic avec Mathieu que vous aurez peut-être déjà regardé. Vous pourrez du coup voir si on s'est trompé lourdement ou si on avait bien raison sur ce pronostic de le voir à la section En tout cas, nous, on y croit pas mal. Ouais, Et maintenant, ouais, on va passer beaucoup. à notre deuxième jeu qui mérite peut-être autant sa place, qui est. Alors, c'est la planche des pirates. C'est parti. Et on reste dans l'univers des pirates, un peu moins fantôme, un peu plus réel, avec des animaux trop chopis qui sont des éléphants. On passe donc à la planche des pirates. Oui, tout à fait. Alors, la planche des pirates, vous allez voir, on, on, il a un point commun avec le jeu, euh, le jeu suivant. Putain, il est bien passé, il a un point commun, excusez-moi, et celui d'après, c'est bien joué. Donc la planche des pirates, c'est un jeu de stop ou encore. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite planche sur laquelle vous allez mettre votre petit éléphant qui va au fur et à mesure se déplacer au bout de cette planche. Et le but, c'est d'éviter qu'il aille trop loin et qu'il tombe parce que la planche est déséquilibrée. Alors comment ça va se passer C'est qu'à votre tour, vous allez avoir des cartes que vous allez retourner sur lesquelles il y a des symboles. Vous en retournez tant que vous voulez, c'est un stop ou encore. Donc vous vous arrêtez quand vous voulez. Si vous arrêtez suffisamment tôt, eh bien, vous allez forcer les autres joueurs à rajouter des petits tonneaux. Au bout de leur planche, donc évidemment, ça va contribuer euh, au déséquilibre. Mais si jamais vous vous arrêtez trop tard, c'est à dire que vous révélez deux fois le même symbole, et eh bien dans ce cas-là, personne rajoute de tonneau. C'est votre petit éléphant qui va progresser sur sa planche et qui va donc accentuer son déséquilibre. Donc la partie s'arrête soit dès qu'un joueur est tombé à l'eau, soit si un joueur a réussi à poser six cartes, il y a sept symboles différents. Si un joueur a réussi à poser six cartes, il a gagné la partie. Sinon, il y a que celui qui est tombé à l'eau qui a euh, qui a perdu. Alors qu'est-ce que tu en as pensé Alors là, on parle d'un jeu qui est un stop ou encore, mm -hmm. et on en discute souvent pour que, dire que les jeux de, pour enfants, en stop ou encore, c'est jamais évident. Mm -hmm. euh, à partir d'un certain âge, on comprend qu'il faut s'arrêter ou aller plus loin. Euh, mais quand on est sur les 5-6 ans, c'est pas évident de la faire comprendre que, oula, tu prends trop de risques, il faut t'arrêter ou pas. Et c'est un jeu qui joue là-dessus. C'est vrai que les enfants ont envie d'aller au bout. Tout le ça. Temps. Ils veulent toujours aller plus loin ah et ouais. tout. Ils savent pas quand s'arrêter. Et c'est un jeu qui, de mon côté, quand j'ai joué avec mon fils, il a eu du mal justement à comprendre comment s'arrêter parce que le système de son encore, est pas super visuel. On a bien les cartes qui s'affichent petit à petit. On sait qu'on en a de plus en plus, ouais. mais on a vraiment du mal à savoir si on a la possibilité facilement de retourner encore les bonnes cartes ou pas. Et savoir quand s'arrêter à ce moment-là, et eh bien, j'ai trouvé que c'était pas évident. Mmh. Comment s'est passé toi à ce niveau-là ben, Moi, plutôt bien. Au contraire, moi, j'avais l'appréhension en mode Ok, c'est bon, moi le mien, il a envie de jouer, il va aller jusqu'au bout, euh, il va aller jusqu'au bout à chaque fois. Et euh, ben non, en fait, assez régulièrement, il disait Non, non, ben là, là, je suis assez, vas-y, tiens, mets tes, mets tes tonneaux. Et c'est plutôt moi qui me suis retrouvé à euh, tomber un peu, plus, un peu plus régulièrement. Alors, c'est un peu comme si tu jouais avec un joueur un peu, euh, voilà, qui tente un peu, le, un peu plus le coup, c'est-à-dire que. Il y a que lui qui un jour a tenté d'aller au Sicard. Il y a aussi que lui qui y est arrivé du coup. Euh, mais euh, mais ça reste ben euh, jouable dans le sens où euh, j'ai pas besoin de lui dire non mais t'es sûr que tu veux y aller là non mais t'es sûr non non il sait quand euh, quand il prend un petit peu trop de risques et c'est suffisant pour qu'il puisse gagner sans aucun problème. On reste sur un jeu qui est de toute façon très hasardeux puisque c'est du stop ou encore pur vraiment il n'y a pas de il y a très peu de stratégie. Hein, y a, y a, voilà. Et il arrive à gagner quand même parce qu'il ne fait pas complètement euh, n'importe complètement quoi, systématiquement vouloir aller au bout. Okay. Alors on dit euh, stop ou encore pur, Alors on va dire oui et non parce qu'on peut dire aussi qu'il y a une bonne composante d'adresse, d'agilité bon, par rapport à la motricité fine qu'il faut pour poser ses petits tonneaux au bout de sa planche. Parce mmh. qu'en effet, chacun des joueurs, quand il est puni, il va mettre son petit tonneau, il va la poser plus ou moins délicatement mmh. au bout de sa planche et quand il pose doucement et que le poids suffit pas... Tu restes. Mais si tu bourrines un petit peu parce que tu as un enfant qui est soit un peu bourrin, soit qui n'a pas encore la maîtrise complète de sa motricité fine, et bien finalement le jeu s'arrête plutôt que prévu parce qu'il a posé ouais. trop vite, tu bascules ta planche et t'es puni tout de suite, il n'y a pas de retour en arrière. T'as perdu quoi. Et là, la punition, elle peut être un peu sévère. Ouais, ça c'est sûr. C'est c'est vrai qu'il il y a il y a un côté sympa, mais qui effectivement peut être punitif, c'est qu'on sait vraiment pas quand est-ce que cette planche va basculer. Ouais. Parce qu'il y a deux choses qui ont des équilibres. Il y a donc les tonneaux et l'avancée du, euh, du l'avancée du personnage. Et on n'arrive pas à savoir à quel moment la comp la, la somme des deux va euh, va suffire. Donc c'est vrai que euh, à tout moment ça peut euh, ça peut arriver quoi. On sait jamais. Et quand ça arrive Ouais, ça peut être, euh, ça peut, ça un... peut être assez, assez punitif, surtout qu'on est le seul à perdre. C'est ça. ça. Alors moi je trouve ça plutôt intéressant côté seul à perdre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gagnants. Mm. Et c'est assez rare les jeux comme ça où il y a qu'un seul perdant. Alors faut pas qu'il le prennent trop mal non plus. Et à ce stade-là ça peut être délicat. Mais moi je trouve ça plutôt sympathique qu'il y a plusieurs gagnants. Euh, moi j'ai un petit défaut sur le jeu, c'est que j'ai joué avec mon enfant qui a pratiquement 4 ans, en plus du jeu qui a 6 ans. Et pour le coup en disant oh, c'est bon ça va aller, sauf que justement la motricité fine qu'il fallait pour poser doucement le tonneau, c'est pas possible à quatre ans. Vous oubliez. Mmh. Ils vont être beaucoup trop bourrins, ils vont perdre tout de suite, ça marche pas. Mmh. Donc, du coup, je vraiment limite le jeu à... 5 ans et demi, 6 ans pour que ça fonctionne mieux. Après, on peut parler un peu de ces... Alors, j'aimerais qu'on qu reste là-dessus. C'est important. On va se dire, bah oui, vous parlez d'un jeu où, euh, finalement, le, on peut dire il a 4 ans, mais euh, le jeu est fait pour plus âgés. Il me semble que c'est mmh. pour 6 ans. Oui, mais, encore une fois, on va faire le lien avec le, le jeu suivant. Vous allez voir que c'est euh, un peu important. Mais t'as raison. On peut parler du, euh, du, du matériel. Et a, moi, je trouve que c'est j'appelle ça une édition augmentée parce que c'est un jeu qui bénéficie d'une très belle édition, que ça soit par rapport à ces petites figurines en plastique des éléphants qui avancent, qui sont trop choupi. Qui, qui... qui est la marque de fabrique de l'éditeur Exactement, qui fait ça très régulièrement. Et là, pour un jeu enfant, c'est encore plus pertinent. Mm -hmm. Et euh, cette planche est aimantée, mm -hmm. qui tient toute seule. Et au, au début, tu la places, tu dis comment ça marche, et après, tu vois, oui, il y a un aimant. Et c'est ça qui fait finalement que ça marche à fond et que si, tu ne peux pas contrôler à quel point ça va être euh, mm -hmm. équilibre basculant ou pas. Et je trouve que c'est vraiment très sympa comme édition. Ah oui, alors euh, c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, ce n'est pas une édition augmentée dans le sens où il euh, y a un petit côté, on a mis des trucs en plus qui servent pas on n'a peut-être pas besoin des, des figurines et encore que ça joue Elles parce qu'il y a le poids il y a le, y a le machin et là le jeu ne peut pas marcher si t'as pas cette planche euh, cette planche aimantée qui d'ailleurs au passage euh, moi quand j'avais vu le dos de la boîte je mais j'avais pas compris qu'il y avait un aimant je comprenais pas et je me disais mais comment, mais comment ces planches peuvent tenir il y a, y a quelque chose il y a une astuce bah, c'est un, un, un aimant tout simple hein. euh, mais c'est chouette et puis c'est euh, on retourne la boîte on met dessus Bon, bah, c'est impeccable, quoi. La boîte est, est assez, euh, assez compacte pour qu'on l'emmène euh, qu partout. Donc, ça reste un jeu d'adresse avec du matériel, mais qui se tremballe un peu partout. Bah, c'est plutôt un plus, moi, euh, je trouve. Là aussi, je dis ça parce qu'on va parler du jeu, euh, <laughs> du jeu suivant. Voilà, où vraiment, euh, tu peux pas faire le jeu sans cette édition-là. S'il n'y a pas la planche, ça ne marche pas. C'est cette euh, ingénierie qui a été inventée par les auteurs et euh, sublimée par l'éditeur par qui permet d'avoir un jeu complet distinct mmh. et qui fonctionne comme il est ouais c'est ça, alors après moi je suis pas c'est euh, un jeu où j'ai pris plaisir à, à, à jouer, Arthur aussi euh, j'ai pas été non plus transcendé, alors déjà j'ai bien aimé le fait que le stop ou encore marche, ça c'était chouette mais par contre le, le, le reproche que je lui ferais c'est qu'il y a quand même d'une manche à une autre en fait, quand à retourné un certain nombre de cartes il n'y a pas de raison euh, que t'en retournes une sur une manche et que t'en retournes pas à la manche d'après c'est à dire que quand j'ai retourné trois cartes la difficulté sera la même euh, quelle que soit la manche pour le statistiquement, c est, parlant. C est, statistiquement parlant et ce qui fait que bon pour les enfants pas trop ils font comme ils ont leurs envies mais euh, mais pour un adulte à un moment tu te dis mais pourquoi est-ce que ce tour-ci j'irais plus loin alors que j'irais pas et donc en fait on se, on se rend compte que finalement on s'arrête un peu tous pour les adultes on s'arrête un peu tout le temps au, au même moment enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu mmh. que je me suis dit bah en fait au bout de trois cartes Là, il y a assez de risques. Ça me paraît le, le bon moment pour s'arrêter. Je vais un peu faire ça tout le temps. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, je comprends. Moi, euh, moi, de mon côté, les parties qu'on a faites avec mon petit, n'ont pas complètement fonctionné parce que justement ce stop encore, il avait du mal à se projeter. Et du coup, même s'il aimait le matériel, aimait poser ses petits tonneaux, il avait du mal à comprendre quand s'arrêter. Donc c'est pour ça que, en effet, je dis que le stop encore a pas complètement fonctionné avec mon petit, même si je trouve qu'il peut avoir son effic efficacité. Mm -hmm, voilà. Donc c'est un jeu moi qui m'a plu globalement, mais sans plus. C'est vrai que. Je trouve que c'est dur pour lui cette année par rapport à tout le reste. C'est ça. Euh, clairement, là, on est sur une année, encore une fois, euh, moi, je me suis régalé. Ouais. Vraiment, je me suis régalé en termes de, de, de jeux pour jeu enfants. Enfant et, euh, et donc, c'est dur, à mon avis, pour lui de, de sortir à ce moment-là. Maintenant, voilà. Il y a un joli, il y a un joli travail d'édition qu qui est édition. Il y a une boîte qui est, est, euh, est compacte. Voilà. Ça reste quelque chose qui m'a qui quand même un peu plus, un peu plus, un peu plus que le jeu suivant, dont on va parler, euh, dont on va parler tout de suite. C'est ça. Et on enchaîne maintenant avec Clé Magique. Alors le troisième jeu, eh bien on reste dans les jeux de stop ou encore puisqu'on va parler de Clé Magique. Cette fois c'est toi qui pitch. Ouais, Clé Magique c'est un jeu dans lequel, en effet, on a un stop ou encore, on incarne un groupe de personnages qui va avancer pour se rapprocher d'un château, qui va récupérer des clés en lançant des dés. Plus on a des valeurs intéressantes sur les dés, plus on va pouvoir aller loin pour récupérer des clés qui sont plus intéressantes et ces clés au moment qu'on les prend, on va pouvoir les insérer dans un petit coffre qu'on va ouvrir et on a trois chances sur 5 pour que le coffre s'ouvre et nous permet de récupérer des rubis et plus les clés sont loin plus elles nous rapportent beaucoup de rubis et c'est le premier joueur à X rubis suivant le nombre de joueurs cumulés qui va pouvoir remporter la partie. Et le système de, du encore va être géré par le système de D parce qu'il y a des faces qui disent eh hey, si tu cette face tu en joues plus et si tu as faces, tu peux continuer à jouer et il va faire t'arrêter au bon moment parce que si jamais tu vas trop loin et tu utilises uniquement des faces tu si jamais tu vas trop loin et tu découvres uniquement des faces euh, dodo où tu t'arrêtes et bien ton tour est terminé. C'est au tour du joueur suivant et le pion reste là où il avançait, Donc ça va permettre au joueur suivant de se gaver proprement. Et on va faire ça comme ça tout le long de la partie, les clés s'amenuisant, avec le petit twist qui fait que les clés qui n'ont pas marché, donc tu es super frustré de pas pouvoir ouvrir ton, ton coffre, tu vas pouvoir les dépenser pour réactiver toutes les phases de dés qui marchaient pas pour recontinuer une fois où tu étais presque bloqué. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le jeu, il me semble. Pour le mécanisme. Pour oui. le mécanisme en tout cas, pour son pitch. Et maintenant voilà. on va pouvoir parler un petit peu de... Comment s'est passé le parties Est-ce qu'on a aimé ou pas Alors, moi je vais commencer, je te propose qu'on commence par parler de la mécanique elle-même du jeu du stop ou encore ou là pour le coup, encore une fois, on va beaucoup le comparer avec le jeu précédent. Moi, j'ai préféré cette mécanique-là. finalement, au début, j'étais pas sûr, je me disais tiens, l'autre est quand même plus simple, on comprend immédiatement. Là, c'est quand même un peu plus sympathique parce que voilà, on va lancer on va lancer ces dés et on voit vraiment le, la difficulté qui s'accroît. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand nos dés ils font des dodos et qu'on les met de côté et qu'on peut plus les, les, les utiliser, là on voit qu'il y a une difficulté. Et donc j'ai trouvé ça un peu plus sympathique, notamment parce que justement ce problème que je soulevais au jeu précédent, qui est quand tu es arrives à un certain stade à une manche, c'est exactement la même chose que la manche présente Bah là non, là tu peux avoir progressé plus ou moins et sur un tour ou pas, tu vas prendre plus ou moins de risques parce que il y a ouais. des choses qui sont passées. Avant. La chance voilà. de ton tirage de dés voilà. va faire que tu vas aller plus loin ou pas. Et ça c'est intéressant et en effet visuellement tu vois très bien que t'effaces. Elles vont s'amuser et tu vas prendre le risque ou pas de continuer. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un système de stop ou encore pour cinq ans qui marche à fond les ballons. Justement, on a parlé de, de jouer tout à l'heure avec les plus jeunes, justement. Et toi, tu as joué avec ton, ton plus jeune d'ailleurs. Ah oui, parce que celui de six ans, il avait voulu jouer, il y a pas de problème. Mais ça, comme bien attiré celui de quatre ans qui était à côté, il a presque quatre ans et qui a voulu jouer. Et clairement, il a besoin d'accompagnement parce que c'est quand même pas complètement faisable, mais il arrive à jouer, il veut jouer et il adore le jeu alors qu'il n'a pas encore 4 ans. Parce que lancer les dés pour voir si ça fait des phases au dos ou pouvoir avancer et ouvrir les petites clés, c'est un truc mais qui kiffe à fond parce que finalement, mécaniquement, de prendre ta petite clé, qu'un petit aimant ou pas, au bout, de la mettre dans le coffre, de tourner et que ça révèle des joyaux, ce système de jeu-jouet est d'une efficacité redoutable. Et ça, le plaisir de l'enfant d'ouvrir son truc, il est ouf. Mmh. Sans pour autant qu'il y ait un gros malaise à dire ⁇ Je tourne la clé, je n'ai rien du tout ⁇ il va pas se mettre à pleurer. On n'est pas dans ce niveau de frustration-là, on est vraiment de ⁇ Oh, c'est pas de chance !⁇ On va pleurer, mais on va en parler. <rire> <rire> en tout cas, moi de mon côté, ça fonctionnait à fond sur le gamin de 6 ans, et aussi celui qui avait presque 4 ans. C'est pas pour autant un jeu de 4 ans, non, quand même, parce qu'il y a quand même la gestion euh, de, de l'effort à gérer, le, le nombre de cases et tout. C'est pas pour tous les enfants de 4 ans non plus. Mais en tout cas, moi, ça a pu être joué avec mon enfant de 4 ans en même temps que je suis 6 ans, et ça, c'était quand même super cool. Ouais, euh, ouais. Je, je, je suis, je suis on est bien. T'as ouvert, t'as ouvert plein de pieds, ouais. Je on va sur laquelle rebondir On, va, on, bon, on va prendre le, la porte sur le, le, le jeu joué. Et c'est vrai qu'un des gros intérêts de, du jeu euh, auquel les, les enfants vont être très sensibles, c'est effectivement ce, 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 ce coffre, ouais. ce, 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 ce mécanisme. Et c'est là pour le coup où moi je suis un peu plus gêné par, euh, par ce truc-là d'une part parce que il fait un peu euh, pouf en plus. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le coffre amène absolument rien. Alors, mécaniquement, on aurait pu avoir des jetons, voilà. cinq jetons, deux mauvais, trois bons, tu retournes, ça te dit combien d'émeraudes de, 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 tu gagnes, et basta. Exactement. Oui, mais ça, c'est pas drôle. Alors, c'est moins drôle, mais si on compare au jeu précédent où justement on disait le, le, le matériel était intrinsèque au jeu, il était ouais. nécessaire au jeu. Sans ça, le jeu ne marchait pas. Et non, donc, je, moi, c'est ça qui, qui... après, c'est peut-être. C'est peut-être stupide quelquefois comme, comme, comme réaction, mais de me dire, bah ouais, tiens, c'était un peu plus malin, il y, a, il y a eu un truc qui me plaît plus, qui a été un peu plus cherché. Là, effectivement, il y a, il y a un truc qui est, qui est sympa, mais qui fait un peu artificiel pour moi. C'est une surédition, un peu, peu artificiel. on peut le dire, mais qui ouvre la porte à, qu'est-ce que c'est Ça m'intéresse, j'ai envie de jouer. Et ça, pour un ça, jeu enfant, vrai. ça n'a pas de prix. Ça, c'est vrai. Par contre, moi, j'y trouve, non seulement, ok, c'est cool pour les enfants, mais je trouve que ça amène... Un, pour moi, un petit problème mécanique qui est que, on a dit, alors, on pourrait avoir des tuiles qu'on qu retourne. Et bien, en fait, sur certains points, moi, je préférerais avoir des tuiles qu'on retourne parce que euh, c'est ce qu'on a dit. Des fois, tu peux aller super loin et c'est quand même un jeu de stop ou encore qui te récompense oui. quand tu as pris tes risques et que tu t'es arrêté au bon moment et que tu es allé assez loin. Et bien, ce jeu-là, tu peux être allé quasiment au bout de la piste, t'arrêter, tu prends ta clé, t'as rien. Oui. Et c'est comme si tu t'étais arrêté au début, que tu avais une clé du début. Et ça, moi, je trouve ça terriblement frustrant. Je peux le comprendre. En effet, on peut dire que si jamais on avait eu un autre système avec des jetons, tu peux modulariser la valeur des jetons qui te rapportent, certains vont te rapporter 5, d'autres vont rapporter 2. Mais du coup, ça devient plus un jeu de chance par rapport à ce tirage, en plus du stop ou encore. Et là, on a, on a voilà encore, plus encore plus la chance. Il <laughs> encore plus la chance. Mais, il euh, y a le côté récompense qui est du coup décuplé. Quand, quand ta clé s'ouvre et te donne un accès joyeux, elle est plus, beaucoup plus satisfaisante pour l'enfant que j'ai retourné un jeton, j'ai gagné quatre rubis. So what Alors, certes, mais d'un autre côté, quand tu la retournes pas, je trouve que le, le, le stop ou encore, pour moi, il te punit quand tu as été trop gourmand. Et justement là, c'était vraiment, ah, hey, je me suis arrêté quand il fallait, bah, je suis puni quand même. <laughs> Alors une punition, on est d'accord, modérée parce que la clé euh, qui ne fonctionne pas pourra te servir plus tard. De, de relance de dés, et ça, ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin, pouvoir aller accéder aux clés super cool, donc il y a une petite compensation qui est prévue par, par rapport à ça, et ça c'est super chouette, mais en effet ça gomme pas complètement la frustration de mmh. j'ai rien ouvert. Mais encore une fois, moi, même avec des enfants qui ont pas encore 4 ans et 6 ans, la frustration de la déception d'ouverture, eh ben, elle a pas été trop forte. Et c'est plus, ok, ben, vite, je joue, comme ça, j'ai pu y retourner. Et on enchaîne vite mmh. les tours les uns après les autres. Ouais, alors que moi, au contraire, j'ai plusieurs fois, j'ai senti quand même, ah ça ouais, ok, super, j'ai rien. Surtout que c'est arrivé plusieurs fois que cette clé qui nous sert de relance, des fois, elle rate complètement. Oh et là, alors quand je, je me rappelle une partie où on a enchaîné le tour où justement il allait super loin, il n'a rien eu, il repart, il va relativement loin sans quasiment de d'avoir de, de, ouais. de, 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 de dodo. Boom, il lance dés, il tombe à zéro. Y a, ah, c'est pas grave, j'ai une clé, je relance. Boum, de nouveau à zéro. Oh, petite punition. Oof. Alors c'est le cas vraiment euh, ça, catastrophique. Parce qu'on est quand même sur un jeu de dés, ouais, ça peut arriver. Mais ça, 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 ça te finit quand même et tu fais. L'un des trucs bien que je trouve au jeu, c'est la gestion de l'effort qu'on peut avoir à, à faire avec cette case qui est placée au milieu du, du terrain. Donc qui on n'a pas, pas encore parlé qui fait que si jamais tu atteins cette case, tu vas pouvoir réactiver tout dés. Et ça a deux intérêts. Non seulement ça te permet de gérer un peu ton effort en disant ok j'ai déjà fait la moitié, j'ai plus grand chose. Si j'arrive à aller là, je vais pouvoir repartir et aller chercher les clés intéressantes, ce qui évite qu'on soit toujours aux clés du début. Euh, mais surtout ça permet à l'enfant de pas toujours aller toujours trop loin c'est-à-dire que quand il a un 4 et un 3 sur son dé il va pas forcément prendre le plus loin pour aller plus loin il va peut-être regarder et dire, ok si je prends 3, et eh ben je vais peut-être aller sur ma case rouge pour réactiver donc c'est plus intelligent et ça de voir l'enfant qui a l'intelligence de le faire et eh ben c'est aussi très très cool pour pouvoir améliorer en fait son son gameplay sa manière de jouer quoi. ouais alors c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir un peu des, des paliers dans le dans le tour mais d'un autre côté euh, là aussi moi ça m'a ça m'a posé deux deux problèmes le premier c'est euh la durée des tours d'un joueur à un autre. C'est-à-dire contre le joueur qui va lancer, qui va avoir deux dodos d'entrée de jeu, qui va dire, bon bah super, bah je vais pas aller loin, ouais. celui qui a eu pas mal ces trucs, qui arrive au milieu, qui reprend trop CD, qui repart, c'est un petit peu long, et, euh, et en fait surtout, euh, moi cette case elle a très peu servi. Et quasiment toutes mes parties, en fait la partie était en, on va dire en deux phases. Une phase où bah effectivement on avait beaucoup alors peut-être qu'on n'a pas de boloté ça c'est possible il y a peut-être un truc comme ça dans dit, dit. c'est un jeu de dés on peut dépendre de ça ouais, voilà et, et en fait là, as une première phase du jeu où on prenait les deux premières couleurs de clé parce qu'on avait on n'avait pas de quoi pas loin, aller euh, hein. aller, euh, aller euh, assez loin et une deuxième phase où il fallait aller un petit peu euh, un petit peu plus loin et c'est vrai que du coup bah, bah, ça tirait un peu le jeu en longueur du coup. Okay. C'est quelque chose, nous, qu'on n'a pas, pas vécu. Parce que finalement, quand après l'expérience, parce que beaucoup de mes enfants, on joue deux fois par semaine, hein. mmh. deux, trois fois par semaine, là, on est déjà facile à trente parties. Et en plus, ça puis ils savent qu'il faut aller loin dès le début, donc du coup, ils prennent de l'élan, ils s'arrêtent pas forcément aux clés du début, ce que les débutants font forcément. Tu t'arrêtes sur une clé, tu la prends. Non, au fur et à mesure de l'expérience, tu essayes quand même d'aller plus loin pour essayer de récupérer les clés les plus juteuses. En tout cas, c'est comme ça que ça marche chez nous. Quand tu deux dodos quand tu deux dodo, tu t'arrêtes. Alors, quand tu deux dodo.. T'as une gestion du risque. Où, oui, tu as deux chances sur trois de, de te fois Non, deux chances sur six de te faire. Peut-être que tu peux t'arrêter. Mais on parle d'enfants. Les enfants, ils ont peut-être envie d'aller chercher plus loin, voire d'aller chercher la case rouge, donc ils vont peut-être essayer de remonter. Mais en effet, quand t'as plus qu'un dé, normalement, tu t'arrêtes. Mais ça va vraiment dépendre, en effet, des dents oui, des, ça dépend de des enfants. enfants et de l'envie d'aller plus loin. Mmh, 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 voilà. Donc c'est pour ça que moi, tout ça mis bout à bout, bah, finalement, euh, sur une mécanique qui me plaît plus. Euh, je crois que j'ai préféré le précédent. On n'a pas parlé non plus du format de la boîte, malgré tout. C'est une grosse boîte. C'est quand même une très grosse boîte c'est clair elle rajoute du plastique en plus. <laughs> enfin, du truc, voilà bon j'ai je, de jeux avec des tonnes de figurines donc je suis pas très bien placé pour dire quoi que ce soit mais euh, mais tu vois si je dois le comparer au précédent je me dis bah oh, la boîte est plus compacte euh... J'aime mieux le. Est-ce que j'aime mieux le design du précédent C'est très joli. C'est très joli. Euh, est très bien illustré, très bien édité. Rien à dire. Faut pas trop réfléchir au thème, parce qu'on parle quand même de jeter des gens à la mer. Oui. Que... <laughs> a pas trop là où va, les là. clés magiques, on est des petits chevaliers tout mignons qui allons juste essayer d'ouvrir une télé voilà. château. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc bizarrement, ouais, moi j'ai préféré le, le premier, mais clairement, je suis l'exception dans la le rédac. Hein <laughs> Euh, dans la rédaction, on a beaucoup aimé Clé Magique et c'est pour ça qu'on a voulu mettre ces deux jeux en même temps dans le Dlv parce que on les compare beaucoup. Ils sont sortis plus ou moins en même temps, ils ont des mécanismes similaires. Il y a des choses qui font mieux l'un et mieux l'autre. Mm -hmm. En effet, mécaniquement, je préfère un système euh, de Clé Magique avec cet effet waouh et c'est stop ou encore qui marche bien. Et moi, ça a été un carton plein chez moi en tout mm -hmm. cas de Clé Magique. Là où la planche des pirates a un peu moins fonctionné, mm -hmm. malgré ses autres qualités. Donc, si j'avais en choisir qu'un, ce serait Clé Magique. Non seulement parce que je choisis mais aussi, parce que mes enfants choisissent. <laughs> le choisissent. On n'a pas trop le de choix. Voilà, C'est ça, évidemment. Mais, mais au final, ça a été une très bonne surprise. C'est un jeu que j'attendais pas. Euh, et euh, après avoir découvert le jeu j'ai vu ses qualités et je prends plaisir aussi à y jouer et ça c'est super important, important pour un parent joueur c'est le plaisir que tu y prends aussi à ton parent c'est vrai qu'on l'a pas dit mais c'est sympa, sympa aussi c'est vrai que c'est sympa aussi le stop ou encore le, le, le côté lancer des est un peu plus sympa tu leur mets une petite tour à des les gamins ouais. ils sont comme des fous à lancer les dés ouais. bref ça marche à mmh. en tout cas euh, sélectionnez Asdor ou pas on verra mais c'est un jeu que je recommande chaudement, en tout cas, bon, éditorialement et mécaniquement. Moi, j'ai été séduit par la proposition. Mmh. Moi, je ne sais pas si je vais le recommander chaudement. Je dirais qu'il faut l'essayer quand même, parce qu'il a, il a quand même, euh, il a quand même des qualités. Euh, je sais que ça m'embêterait qu'il fasse partie des, 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 des sélectionnés parce Carton que... <laughs> <laughs> c'est pas que ça m'embêterait, mais c'est qu'il y a, il y a d'autres jeux qui m'ont, qui m'ont paru... Plus parlé. Plus, qui m'ont beaucoup plus parlé cette année, qui m'ont paru, euh, voilà où le, le matériel était plus euh, inclus dans on a Dodo cette année on a on a du matériel de dingue mais qui est nécessaire au jeu, comme, comme peut l'être le, la planche des, la planche des pirates, par ouais, exemple. je suis complètement d'accord. Voilà. Mais bon, ça reste un très bon jeu. C'est ça. C'est nos avis. N'hésitez pas à vous, à nous donner vos avis si vous avez eu l'occasion de jouer à ces jeux ou envie d'y, d'y jouer pour, vous, par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Euh, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. N'oubliez pas que cette vidéo est disponible également en podcast. Et si vous l'écoutez en podcast, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Les deux formats sont possibles grâce à CDLV. D'ici là, n'hésitez pas la petite cloche, le petit pouce pour nous aider. Le Utip, le tipi pour nous aider à exister et à vous proposer d'autres formats de ce type. Et on vous dit à la prochaine fois. Rendez-vous sur udovox.fr. Ciao, ciao. Ciao.